Salut les amis, c'est Joseph, nouvelle vidéo, je suis à Istanbul, à l'hôtel. Alors la connexion c'est pas top, donc je vais essayer de faire du mieux que je peux. Donc aujourd'hui, gros tutoriel sur AliExpress DS Center, donc je parle souvent d'AliExpress, mais c'est vrai que j'ai jamais fait une vidéo sur le DS Center, ça va servir à beaucoup de monde. C'est le Dropshipping Center, donc en fait AliExpress a une section Dropshipping, même si on utilise le site AliExpress normal, il y a la section Dropshipping, on va se focaliser sur ça. Vous allez voir qu'il y a pas mal d'avantages. Donc avant qu'on commence, mettez-moi un gros like. Abonnez-vous à la chaîne et let's go, on va aller sur mon écran et on attaque. Je vous ai préparé 10 produits gagnants, en plus AliExpress, gratuits, que je ne vais pas donner dans cette vidéo. Donc 10 produits, c'est gratuit, donc vous allez juste mettre votre prénom, mail, bouton jaune et vous recevez ça directement. Ok, c'est le seul lien dans la description en dessous. Ok, donc on attaque. Donc AliExpress, vous savez que je parle d'AliExpress depuis très longtemps. Malgré tous les fournisseurs que je vous ai donnés, je ne vais pas vous mentir, AliExpress reste quand même le meilleur ou un des meilleurs fournisseurs. Ok, pour être honnête, je l'utilise énormément et je vous le recommande. Donc ça, c'est la page AliExpress normale. Quand vous atterrissez sur AliExpress, remplissez bien ici le pays que vous visez. Ok, c'est important. Et vous allez voir que c'est l'AliExpress normal. Vous connaissez, je ne vais pas vous faire un tutoriel AliExpress, ce n'est pas le but. Mais vous avez compris que le but, c'est d'avoir toujours livraison rapide, livraison gratuite. Et quand je dis rapide, c'est des livraisons, allez, 3 à 6 jours en général. Si ça peut aller jusqu'à 8 jours maximum. Et d'avoir rapide et gratuit. Ok, mais là, on va parler sur le DS Center. Il n'y a pas beaucoup de gens qui connaissent. Mais si vous voulez vraiment faire du dropshipping avec AliExpress officiellement, vous n'aurez pas d'emballage AliExpress. Il n'y a pas de bon, allez, y a jamais de facture vraiment quand on reçoit des colis chinois. Mais si vous voulez pas l'emballage AliExpress, vous descendez, descendez tout en bas de la page. Et vous allez ici. DS Center. Ok. Et donc, vous allez cliquer sur DS Center. Ça a bugué. Ma connexion n'est pas top, je vous le dis, donc on fait avec les moyens du bord. Voilà, AliExpress DS Center. Et ça se présente comme ça, en fait, tout simplement. Déjà, première chose, ils font aussi office d'agent. Ça veut dire, vous savez, quand je vous ai parlé de CG Dropshipping, peut-être que si vous voulez une vidéo d'ailleurs sur CG Dropshipping, dites-moi-le, je la commenterai et je la ferai. Donc, regardez, besoin d'un produit. D'un produit d'approvisionnement. En fait, bon, c'est une traduction pétée, mais si vous avez besoin qu'ils approvisionnent un produit pour vous, envoyez un mail à dssourcing@aliexpress.com, ça veut dire qu'ils font agent. Donc en gros, si vous ne trouvez pas quelque chose sur le DS Center, vous envoyez un mail à ds.sourcing@aliexpress.com et ils vont faire la recherche pour vous en Chine directement. Ils vont trouver les meilleurs prix, livraison rapide, excellent service après-vente, etc. Donc déjà, ils font office d'agent. Donc déjà, c'est un gros point positif d'AliExpress, ok. Donc vous avez plusieurs catégories, vous avez vu, trouver des produits à vendre, analyse de produits, RFQ pour l'approvisionnement de produits, dropshipping à payer, etc. On va voir tout ça ensemble. Donc d'abord, trouver des produits à vendre. Alors moi, généralement, j'aime pas trop taper dans les mots-clés, machin, etc. Même si vous recherchez vraiment un produit, vous pouvez. Par contre, il y a la section recherche par image, et ça, c'est puissant, parce que des fois, vous avez un produit que vous avez chopé sur Google. Alors vous avez l'extension qui s'appelle AliExpress Search by Image, ben je l'ai déjà, voilà. C'est ce que j'utilise généralement. Allez, bon, on passe cet ordi, parce que ça, c'est l'ordi YouTube, un peu, on va dire. J'ai pas, c'est un nouvel ordi, en plus. C'est sur l'autre ordi que j'ai. Donc, regardez, ça, c'est AliExpress Search by Image, ok. Et vous avez, bon, ça rame, mais voilà. Ce que vous pouvez, c'est que quand vous trouvez un produit que vous kiffez, vous ajoutez ça, il y aura automatiquement la petite, ben ça rame, il y aura automatiquement un petit message qui va s'afficher pour chercher ça, sur AliExpress directement, pour trouver le produit Google sur AliExpress, en gros, quoi, c'est ça l'idée, ok. Ça marche, ça peut arriver que ça bug, mais ça marche pour la plupart du temps, ok. C'est quelque chose comme ça, qui se montre comme ça, voilà, search goods on AliExpress by image, donc c'est une recherche par image, et vous pouvez faire ça aussi dans le Dropshipping Center, pareil, vous pouvez avec des mots-clés ou avec les images. Souvent, les images, ça peut être plus précis, voilà. Je le dis, comme ça, ça va être important. Donc maintenant, mais on va dire que d'entrée, si on est là, si vous cherchez un produit particulier, ben oui, faites les recherches mots-clés et images. Mais si vous voulez vous balader, moi, ce que je vous conseille, c'est directement d'aller dans les catégories. Alors, je le répète, je vais vous les donner encore une fois, les niches que je recommande qui marchent le plus pour moi depuis 2016, depuis que je fais du drop, depuis 8 ans, c'est ben, jouets, loisirs, maison, animalerie, alors ordinateur, bureau, chic, ouais, et automobile, moto, beauté, santé, et après, un petit peu d'électronique. High-tech, tout ce qui est high-tech, tout ça. Ok, donc voilà, c'est les niches qui marchent le plus. Je dis pas que les autres ne marchent pas, je dis juste que ça marche le mieux pour moi.
Après, c'est mon expérience personnelle. Je pense que la mode, tout ce qui est bijoux, etc. Bon, bien sûr, pour Vinted, vous faites mode. Pour bijoux, c'est Etsy. Bon, bref, voilà. Mais bon, vu que c'est pas trop mon délire, ce genre de truc, bon, vous savez que je fais plus du high ticket. Donc, c'est pour ça que je vise ces niches-là que je vous ai montrées. OK ? Donc, voilà. Donc, on se balade tranquille. Et vous voyez qu'ils ont fait ça exprès pour... C'est un centre dropshipping pour nous, pour qu'on puisse faire du drop. OK ? Donc, vous avez les catégories. D'abord, vous avez même une liste de produits gagnants. Ils vous donnent produits gagnants ici. La liste que je vous ai donnée ici, ça n'a rien à voir avec cette liste-là. C'est autre chose que j'ai trouvé moi-même à part. Donc, c'est rien de ce que vous allez voir dans cette vidéo que vous pouvez trouver sur le DS Center. Produits ici. Et vous regardez produits gagnants. Et ils vous donnent des produits gagnants. Alors après, comment repérer quelque chose d'intéressant ? Encore une fois, vous pouvez filtrer par recommandation, par prix, par vente. Généralement, le mieux, c'est vente, parce qu'on cherche de la pépite. Mais après, il faut voir un truc, c'est que quand vous mettez vente, c'est souvent des produits basse valeur, voilà, des merdouilles, quoi, on va dire. Et c'est bon, c'est pas forcément l'idéal pour moi. Moi, je préfère vendre des produits chers. D'ailleurs, j'ai fait un sondage, les amis. Allez-y, c'est important que vous répondiez à ce sondage. C'est très, très important, même, je dirais. Vous allez sur YouTube. Je sais que ça rame à bloc et j'ai une connexion de merde. Et vu que c'est pas l'Union Européenne, hein, la Turquie, bien évidemment, j'ai pas ma 5G. Voilà, donc du coup, je peux pas utiliser mes données mobiles, quoi. Donc en gros, je vais taper Joseph Tomacrossa. J'ai l'impression qu'on est à l'époque de Windows 95, quoi. Bon, voilà, vous tapez là, vous allez sur Joseph Torregrossa, sur ma chaîne, ok, vous allez dans Communauté. 5000 euros net par mois. Tais-toi, s'il te plaît. Je me dis, voilà, et regardez, c'est serré, hein. J'ai demandé quelle formation vous souhaitez le plus. Je vais faire une formation bientôt, je veux savoir celle que vous voulez. Donc là, à l'heure actuelle, c'est vendre des produits chers, le high ticket, quoi, il y a eu 40 votes quasiment. Donc pour l'instant, c'est les ventes des produits chers. Après, si vous voulez des produits digitaux, bah, allez voter, les amis. Allez voter, choisissez ce que vous voulez. Pour l'instant, c'est vendre des produits chers, donc c'est-à-dire du high ticket, ok. Donc c'est sondage sur ma chaîne, en communauté, vous l'avez ici, c'est le premier post. Allez voter pour savoir quelle formation je ferai la prochaine formation qui va sortir, quoi. Ok, voilà. Donc, tac, on ferme ça. Donc, maintenant, vous pouvez filtrer par vente, mais souvent, quand vous filtrez par vente, ça vous met les produits moins chers en premier. Donc, voilà, vous mettez recommandation pré-vente. Bon, vente, c'est le mieux. Comme ça, vous avez les gros, gros produits. Sinon, recommandation, c'est bien aussi. Parce que, regardez, pour vous montrer que ça marche, ça, je sais que c'est un gros produit gagnant. Donc, je vais cliquer dessus. Et maintenant, une fois que vous avez cliqué dessus, il y a plusieurs facteurs à vérifier. Ok, c'est important de ne pas choisir n'importe quel produit, n'importe quoi. Ok, ok, alors ça rame un peu. On arrive sur la page. Alors, première chose, vous regardez, le prix, c'est attractif. Déjà, un produit comme ça à 35, on sait qu'on peut le revendre 50, 60, même à l'aise. La livraison, 6 à 8 jours. Pardon, 6 à 8 novembre. Donc, on vérifie. 6 à 8 novembre, ça fait quoi? On est le 27 là. Donc, il faut compter. Ça fait 5. Alors, après, ça, c'est un jour férié, ça compte pas. Donc, ça fait 4. 5, 6, 7, 8, 9. Donc, c'est du 7 à 9. Ça va, ça passe. On va dire que c'est maximum, c'est le plus grand maximum. Donc, la livraison, c'est bon. On vérifie. Vérifie bien avec le calendrier, des fois, c'est mieux. S'il y a des jours fériés, ça compte pas. C'est que des jours ouvrables, OK ? Le produit est pas mal. Alors, 4,2, c'est un peu naze. Je vais pas vous mentir. En fait, je l'ai, celui, mais c'est pas celui-là. J'ai une marque. Ça doit être sûrement le générique qui est un peu naze. En tout cas, alors les avis, personnellement, je prendrais que du 4,5 minimum. Il n'y a que 5 avis, 4,2, c'est un peu nul. 800 vendus, c'est pas mal comme signe. Mais généralement, je vais sur du 4,5 minimum ou 4,6. Et il faut qu'il y ait de la vente. Après, les ventes, ça dépend. Au moins une centaine de ventes, au moins. Et un prix attractif et une livraison rapide. OK ? C'est important. Et les retours gratuits, bien sûr, aussi. Et le profil du vendeur. Donc, vous descendez, généralement, il est tout en bas. Voilà, il est à 88,1, c'est pas top, il faudrait quelqu'un qui ait au moins plus de 90 ou 95 idéalement. Ok, donc celui-là, ce produit, le produit est pas mal, je pense, à mon avis, mais c'est pas celui-là, quoi, pas cette marque-là, pas celui-là. Donc on va fermer ça, on va regarder ailleurs. Ok, on continue. Alors après, rien ne vous empêche de taper projecteur ici. Ok, j'ai tapé projecteur. Projecteur. Ouais, ça rame, je vous le dis. Et peut-être que vous pourrez trouver d'autres projecteurs. Voilà. Peut-être un poil plus cher. Voilà, le Mash Cubic, c'est celui que j'ai chez moi. Il est top. OK ? Ça s'appelle Mash Cubic. Il est bon. Vous voyez, les avis, d'un coup, c'est 4,7. Il y a 33 000 avis. 100 cas vendus. 41. OK ? Euros. Donc, il est un peu plus cher, mais vous pouvez le vendre 75, 80, par exemple. La livraison est plus rapide. Et j'en suis sûr que le vendeur, il est au top, à mon avis.
parce que j'ai déjà acheté chez eux, je crois, voilà, 96. Donc voilà, ça, là, l'exemple d'avant, c'est un exemple de pas top, de produit pas top avec vendeur bof. Et là, je vous ai trouvé un produit au top avec, avec vendeur au top. OK ? On répète vite fait, le prix attractif, de bons avis, de bonnes ventes, une livraison rapide gratuite et des retours gratuits, important aussi. Il y a tous les types de prises, comme ça vous pouvez viser tous les marchés. Je répète, le marché UK c'est celui que je préfère. Le marché allemand est très bien, le marché américain est très bien aussi. La France est plus lent, mais ça vend quand même sur Amazon ou quoi, mais c'est lent. Donc si vous faites eBay, visez UK, US, Allemagne. OK ? Donc c'est pour ça que vous changez le petit drapeau, d'où l'importance de changer le drapeau en haut. Et les avis, il faut qu'il y ait du 95, c'est idéal. Lui, il est à 96, donc c'est bon. OK ? Donc ça, c'est juste, c'est le même principe que quand vous allez chercher sur AliExpress, mais voilà, quand vous allez dans produits gagnants, vérifiez bien que voilà, c'est pas n'importe quoi, que vous tombez pas sur n'importe quoi. OK ? Donc voilà, vous regardez un petit peu là. Là, je suis sur les projecteurs, vous avez, j'ai tapé projecteur. Mais sinon, si vous voulez pas que j'ai projecteur, ben, on cherche un peu tout, hein, voilà. On regarde un peu les suggestions, vous regardez, vous vérifiez bien ces critères-là, OK ? Donc ça, c'est la section juste trouver des produits à vendre. Donc ce qui est bien, c'est que d'entrée, ils vous donnent les niches. Donc je vous ai donné les niches qui cartonnent, hein, rembobinez la vidéo si je suis allé trop vite. Produits gagnants, ils vous les donnent d'entrée, donc ils vous donnent les produits gagnants. Donc c'est encore un très bon outil, c'est gratuit en plus, hein. Livraison rapide, donc si vous voulez vraiment des produits rapides, on peut aller dans la section livraison rapide, c'est top. Vous avez livraison rapide. Par contre, voilà, vous voyez, il y a beaucoup moins de ventes, à part sur ça. Ben voilà. On va ouvrir ça, par exemple, on regarde. Quand ils disent livraison rapide, qu'est-ce qu'ils entendent par ça ? 4 à 6, bon, super, ben c'est du, ça veut dire que c'est du 5 à 7, à mon avis. 5 à 7 jours ouvrables, les avis sont bons, donc on peut y aller. OK ? Donc on continue. Là, il y a la section livraison rapide qui est intéressante. Produit gagnant, recommandé pour vous. Donc après, quand vous faites des recherches souvent, ils vont vous recommander des choses selon votre profil. OK ? Donc voilà, c'est, ça peut être bien et pas bien en fait. Moi j'aime pas trop des fois leur retargeting agressif parce que ils vous bombardent que du même produit. Ça veut dire qu'en gros je cherchais des projecteurs, ils vont me filer que des projecteurs, je vais en bouffer pendant 10 ans quoi. Mais c'est pas forcément idéal. Donc le recommander pour vous, ça peut m'intéresser comme ça peut ne pas m'intéresser. Par exemple ce produit intéressant, vous voyez, produit intéressant, cool. En plus c'est un produit qui peut se vendre assez cher. Vous pouvez l'acheter à... Désolé pour la connexion, hein, mais on fait avec les moyens du bord. Et même en vacances, je vous fais des vidéos, les amis. Donc, je suis en vacances à Istanbul, là même, je vous fais des petites vidéos. Donc, 70 balles, ça c'est un truc que vous pouvez revendre 120, 130, 140, à l'aise. Les avis sont bons, les ventes sont bonnes, la livraison est bonne, donc nickel, on fonce. OK ? Donc en gros, ça marche, c'est le même principe que l'AliExpress normal, sauf qu'il y a une disposition un peu différente et vous n'aurez pas d'emballage, pas de facture. Ça marche comme agent aussi, hein. Faut pas oublier que c'est comme un agent, ils peuvent vous sourcer les produits, les meilleurs tarifs, livraison rapide, etc. Donc là, c'est la méthode où analyse de produits, trouver du winner. OK ? Après, vous avez analyse, vous avez la section analyse de produits. Alors là, par exemple, on va prendre un exemple, ben, regardez, on va prendre un exemple d'un produit, ben voilà, celui-là par exemple, OK ? Je vais prendre le lien, tac, le lien AliExpress, bam, on va ici, on va aller dans analyse de produits, OK ? Et si vous voulez aller plus loin par exemple, OK, on attend que ça charge, on va aller plus loin, on met un lien, et d'un coup, voilà, copier-coller les liens pour les analyser, profiter des avantages en termes de prix, logistique, fournisseur, etc. Et si vous avez des questions, vous avez même leur adresse email, dscenter@aliexpress.com. Donc c'est top, ils sont vraiment transparents, ils veulent vous aider, ils vous donnent des produits winners, ils ont leur Zik à eux ou leur thérapie à eux, et ils vous donnent même les adresses email pour sourcer et pour les contacter, donc c'est vraiment transparent, ils sont cool, OK ? Donc, j'ai mis un lien, et ils me donnent beaucoup de produits similaires, ils me donnent les tarifs, ils me disent s'il y a la livraison gratuite ou pas, le nombre de commandes, combien il y a eu de commandes, la performance logistique et la performance logistique. Voilà, bon, en gros, j'ai mis un lien comme ça, OK ? Donc, vous pouvez analyser, bon, c'est pas l'outil le plus poussé de l'univers, mais on va dire que c'est gratuit, donc on se plaint pas, hein. Voilà. On se plaint pas, c'est cool, il nous donne ses idées. Voilà. Donc, il disait bien, veuillez fournir le lien du produit à l'Express, je l'ai mis, et ça vous donne comme ça un peu, voilà. On peut en essayer un autre, peut-être. Je vais en prendre un autre. Oh, mais du DS Center, ça serait bien aussi. Ou alors, pas du DS Center, par exemple. Je vais en prendre un au hasard. Qui vient pas du DS Center, on va voir.
Ouais, ça rame, je sais. Ouais. Je sais, ça rame. Sur deux produits, ça vend bien aussi. Voilà. Les écrans aussi. Les moniteurs d'écran, les amis, je vous le dis, ça vend super bien. Ok. Donc, on prend ça. Bon, je vais prendre tout le lien. On s'en fout, même si c'est un peu trop long, on va dire, à mon goût. Mais bon, on va voir si ça reconnaît bien, si ça marche avec les liens longs. Ouais, voilà. Donc, il vous donne tous les moniteurs. Et il compare, en fait, d'un lien, il vous donne un petit peu tout le marché, ce qui se passe, les commandes, les machines, etc. Bon, c'est limité, hein, ça reste très limité. Pour être honnête, vous avez quand même des extensions Chrome qui peuvent faire un peu mieux le boulot que ça. On continue, ok ? On continue. Ça, c'est la section analyse de produits. Après, vous avez la section RFQ pour l'approvisionnement de produits. Encore une fois, désolé pour la connexion, les amis, mais bon, on fait avec, on fait avec les moyens du bord. Allez, 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 dépêche-toi. Dépêche-toi, mon ami, dépêche-toi. Ouais, ça rame à flanc, quoi. Voilà. Et là en fait, voilà. On est sur le sourcing center, ok. C'est-à-dire que vous pouvez contacter AliExpress avec vos requêtes, vous mettez l'URL qui vous intéresse, le numéro de commande, si vous l'avez déjà, mais si vous ne l'avez pas, vous ne le mettez pas. En fait, vous remplissez que l'astérisque. Nom, catégorie, image, caractéristique. Et vous faites une demande de sourcing. Donc en gros, si vous voulez, on ne parle jamais de l'AliExpress Data Center, mais c'est en gros un agent pour vous, quoi. C'est un peu le CG Dropshipping AliExpress, quoi. Donc c'est cool. C'est pas très connu, ils n'en font pas trop je trouve qu'ils n'en font pas assez. Il n'y a pas assez de marketing autour de ça. C'est pas connu, mais c'est pour ça que je fais des tutos sur des sujets qui ne sont pas souvent abordés sur le net. Ça peut être des pépites pour certains. Prix unitaire souhaité, vous mettez combien vous voulez payer, la quantité, le marché, donc le marché c'est-à-dire le pays, payez-vous les frais de livraison, machin, acceptez-vous les livraisons par voie maritime, contact, bam, et vous envoyez. Donc c'est votre demande, c'est une demande de sourcing en gros, ok ? Voilà. Donc ils vous enverront un devis, etc. quoi. Demande de devis, demande de sourcing, vous avez compris. Et vous pouvez mettre, ce qui est intéressant, c'est qu'ils demandent le marché que vous voulez, la quantité, combien vous souhaitez payer. Donc en gros, voilà, ils savent donc... Les gens qui sont malins, ils vont négocier à bloc, ils vont mettre des prix bas et tout, mais bon, il faut rester respectueux. Quoi, faut pas dire un truc à 50€, je vais payer 1€. Quoi. Voilà, restez logique. Puis on continue, et vous avez dropshipping API. Et alors ça va plaire à beaucoup de monde. Ok. Alors, première chose, vous pouvez postuler pour devenir un développeur. Ça, c'est autre chose, pour devenir développeur. Mais ce qui est bien avec le AliExpress DS Center, c'est que vous allez pouvoir connecter l'API. Et ça, c'est puissant. Ça veut dire que vous connectez AliExpress à votre boutique, ok, et automatiquement, ils vont pouvoir s'occuper de gérer le côté, les prix, les stocks, les commandes, etc. Ok. Donc, voilà, ça va être un peu compliqué. Au pire des cas, si vous galérez avec l'API, vous pouvez contacter directement le DS Center, l'adresse email qu'ils nous ont donnée. Vous en rappelez, ds@aliexpress.com, mais vous avez l'API. Alors là, ça peut être pour les développeurs, pour ceux qui veulent développer une API, mais aussi ça peut être intéressant pour les personnes qui veulent directement connecter leur boutique. Voilà, AliExpress offer versatile API services for ASV, enable feature. Voilà. Et ils travaillent avec Desers, AutoDS, DSM. Ok. Donc, si vous voulez développer votre propre API, etc., vous pouvez aussi. Mais sinon, vous pouvez connecter facilement, vous savez, AliExpress avec votre boutique. Ça qui est bien, donc il y a l'API, il y a le côté développeur, mais il y a aussi le côté où vous pouvez connecter ça à votre boutique. Alors sur eBay, n'oubliez pas que je recommande de faire du non-API, ok, du nom en non-API, c'est-à-dire avec les fichiers CSV, etc., quoi, ou l'extension Chrome, pas directement, mais après les autres, vous pouvez bombarder et attacher ça, quoi, que connecter l'API sans problème. Et après, vous avez Financial Services. Alors, ils font aussi les Financial Services, c'est bon à savoir. On va regarder ce que c'est. Le paiement automatique vous permet d'initier une demande de paiement via notre API de dropshipping. Pour cela, vous devez lier un moyen de paiement et autoriser AliExpress à débiter votre compte. Donc, en gros, si vous voulez, toutes vos factures, vous pouvez les auto-payer, en fait. C'est l'auto-pay. Ça veut dire que quand vous avez des commandes et vous faites des achats sur AliExpress, ben vous pouvez auto-payer directement avec votre CB ou voilà, ou votre compte, ou ça dépend, une CB sûrement, quoi, voilà. Ça, c'est pas mal parce que ça vous évite à chaque fois d'aller payer les factures manuellement, ok ? Donc voilà, un petit peu grossièrement ce que c'est, mais voilà, le DS Center, c'est en gros votre fournisseur AliExpress, mais officiel. C'est DS, ça veut dire dropshipping, ça veut dire que
Ils vous permettent de dropshipper leurs produits. Il n'y aura pas l'emballage AliExpress, il n'y aura pas de facture. C'est gratuit en plus, donc que demande le peuple? Et on sait que c'est AliExpress, donc les tarifs sont généralement 20-30% moins chers qu'en Europe. Donc, ok. Et ils ont aussi des livraisons rapides et gratuites. En fait, AliExpress, ce qu'ils ont scalé, ils ont compris qu'on veut des produits pas chers, avec livraison rapide, gratuite. Livraison rapide et gratuite, voilà. Produits pas chers, livraison rapide et gratuite. Ils ont compris ça, donc ils se sont mis à jour, ils ont créé ça. Il y a déjà un petit moment, hein, j'avais fait un article de blog sur ça il y a quelques années aussi, mais j'avais jamais fait de vidéo dessus. Donc voilà. Après, vous pouvez très bien combiner l'AliExpress basique, ok, celui-ci, le normal, quoi, hein, l'AliExpress normal, avec le DS Center, si ça vous plaît. Mais on va dire que c'est une bonne opportunité, surtout si vous souhaitez avoir qu'ils approvisionnent des produits pour vous en Chine directement, donc avoir des meilleurs tarifs, etc. Ok, et ça c'est puissant. Vous pouvez faire votre demande de sourcing, vous en rappelez ici, et c'est pas mal du tout. Ok, après n'oubliez pas qu'AliExpress aussi, il y a beaucoup d'extensions Chrome AliExpress qui sont très utiles. Je vais vous donner une petite liste, extensions Chrome AliExpress. Je vous fais comme ça parce qu'il y en a tellement, vous allez voir ce qu'il y a qui est intéressant. Alors moi, ce que j'utilise personnellement, c'est le Search by Image. Je vous l'ai montré tout à l'heure. Celui-là, voilà. Il y a AliScraper qui peut être pas mal aussi. Bon, DSR, ça c'est juste pour connecter. Vous avez aussi, qu'est-ce qui est intéressant, comment ça s'appelle j'ai oublié la recherche de produits, là. Je crois que c'était AliTools. Ouais, attendez, je crois que c'est AliTools. J'en ai tellement. J'en ai tellement de... Ali Shopping Assistant, voilà, quand vous voulez faire vos achats, vous avez Ali Tools qui peut vous aider. Alors, je vais cliquer, je vais vous montrer ce que. Bon, les avis sont très bons. Et vous pouvez justement vérifier les évaluations du vendeur avant d'acheter, trouver des marchandises par photo, des produits similaires, la provenance du colis, et ça c'est puissant, les remises, les fausses remises, voilà, les trucs comme ça. Donc, il y a Ali Search by Image, vous avez AliTools, vous avez Azify, il y en a un paquet, les amis. Je crois que j'avais sorti une liste d'extensions Chrome à l'époque, où je vous les donne toutes. Faudrait que je la retrouve. Liste extensions Chrome dropshipping. Faudrait que je la retrouve, vraiment. Où je vous donne beaucoup d'extensions Chrome. Alors, c'est pas que du AliExpress, mais il y avait un peu tout, en fait. Généralement, elle doit être quelque part, hein, ouais. Ouais, voilà, je crois que c'est ça, tout plugin. J'avais fait 12 plugins indispensables. AliTools, j'avais fait... Il y a un article de blog sur AliTools sur mon site, vous voyez. Voilà. Donc, je vous ai donné pas mal. J'avais même fait un article de blog. Allez voir, vraiment, des fois, tapez ce que vous recherchez, Joseph Torregrossa. J'ai 200 articles de blog, 700 vidéos. J'ai de quoi. Je vais donner... Vous voyez, Azify, AliSave. Ah ouais, AliSave aussi, qui est pas mal. Voilà. Ils sont là, vous avez une liste. C'est pas que du AliExpress, mais voilà, quoi. J'avais fait un article de blog. Il y a même une liste que j'avais balancée. Les gens qui veulent la liste des extensions, quoi, c'est à télécharger, mettez un commentaire et je vous enverrai le lien dans la description. Ce sera plus, dans les commentaires, ça sera plus rapide. OK ? Donc voilà un petit peu l'AliExpress DS Center, ce que c'est. Il n'y a rien de très compliqué. Déjà, c'est gratuit. Pas d'emballage AliExpress, pas de facture. C'est un agent sur AliExpress. Il y a des tarifs compétitifs, il y a livraison rapide, ils vous donnent des produits gagnants, ils vous donnent des produits à livraison rapide. Donc que demande le peuple, les amis, honnêtement? Donc les gens qui connaissent, dites-moi dans les commentaires si vous connaissez, dites-moi dans les commentaires si vous connaissiez AliExpress DS Center jusqu'à présent, et si vous connaissez pas. Et les gens qui veulent que je fasse une vidéo sur peut-être si j'ai dropshipping ou un truc un peu similaire, dites-le moi dans les commentaires, je le ferai avec plaisir. Donc voilà les amis, vraiment, je vous conseille de faire un mélange. Donc ce que je vous donne sur cette chaîne, c'est toujours complémentaire. Donc vous avez VidaExcel, vous avez Banggood, vous avez Light in the Box, vous avez AliExpress Normal, vous avez AliExpress DS Center, vous avez eBay UK que j'adore. Pour moi, mes fournisseurs préférés, les amis, en général, c'est des fournisseurs que j'ai jamais révélés sur YouTube parce que c'est privé, c'est les miens. Il y a des trucs que je garde secrets, bien sûr, parce que c'est mes fournisseurs à moi et j'ai pas envie que des milliers de personnes me copient. Mais sinon, généralement, c'est eBay UK, AliExpress. Vraiment, la plupart. Après, j'utilise un peu VidaExcel, j'utilise Idealo pour trouver de la pépite des fois que je connais, des fournisseurs, je découvre des fournisseurs quasiment tous les jours. J'utilise Mercandi comme catalogue. Donc vraiment, voilà. Donc le but, c'est que vous compreniez que tout est complémentaire. Voilà, tout est complémentaire, tout fonctionne ensemble. Il ne faut pas se limiter justement à un seul fournisseur, c'est l'erreur. Il y a beaucoup de gens, généralement, qui annule des commandes à cause de ça, mais n'annulez jamais de commandes, s'il vous plaît. C'est la plus grosse erreur que vous pouvez faire, les amis. N'annulez pas de commandes. Quand vous avez un problème, que votre fournisseur n'a plus le stock ou le prix a augmenté, c'est pas grave.
trouvez un autre fournisseur, trouvez un produit similaire, envoyez le colis au client, quoi qu'il arrive. Même si vous perdez 5 euros, c'est pas grave. Okay, le plus important, c'est que vous vous mettiez à jour et vous n'annuliez jamais une commande. Voilà, c'est pour ça d'avoir plusieurs fournisseurs vous permettre justement d'être jamais en rupture de stock ou d'avoir de mauvaises surprises. Okay, donc n'oubliez pas avant de partir, hein, je vous ai mis la liste, il y a 10 produits AliExpress offerts, c'est gratuit, je vous les donne. Il y a un seul lien dans la description, vous mettez prénom, email, bouton jaune et vous allez recevoir le fichier avec les produits directement, c'est instantané. Donc voilà, mais mettez juste des vraies coordonnées, pas des fausses coordonnées, parce que sinon vous n'allez rien recevoir. Ok, voilà les amis, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez-moi un gros like, abonnez-vous à la chaîne, bien sûr, et n'hésitez pas à commenter, donner votre avis. Allez checker le sondage pour la formation que vous voulez le plus. J'aimerais bien avoir vos retours. Allez, bonne vente à tous, les amis. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, écrivez dans les commentaires, je réponds à tout le monde, et on se revoit dans la prochaine vidéo. Allez, ciao, ciao.